وشقا ما ثض صدق نكلا غيس نبريديس أبريديس وشقا وشقا ما تهلك ضيب ولي ويوسع وخميس وخميس إلا قانا أنا عادة ذي جدود نجي غيو قارن ولا ذي صرف جاي جد سوسمي ما نس ويني ما نذي مسلمة ولا شو غليف ناي صوني التليفوني نس هذي فار برا ولا شو جيس بعد يغني سوفسيا أكي اسم سدو أكي توري هذا مغري لأن إذا تخم المودراتور ناس تخم المودراتور ذيك إذا مودراتور أكي إلا قانا الحوم أنا الفدري كتود النظام نلحق ذي الدونيس نرفض أكسيس مسنيون صرف جاس النظام صرف جان غارنا ذي ثدرت مراد مسلاي ذي ثدرت أنت ساكتا مزوغس أغاس نظرة بنادم أولي سودي تسسر زيد ذا شو سوسو من هي سرف سيا فذي ذا جيد نعاكا إلا قتل أنيسي في المسجد العبان تصدق ثلاثة دور وزمير غالد اللي غان نوام ميك ثورة ما سوى لكل دين دين ضاكي كان يفو كلك شوز ان سوتيان يفو ان ليفر يفو ان ديمونستراسيون ما يبغى ربي غا سمر دنو قيم داكينيا دن مسلك وفي الشوال اكيان مثلا هذاك دينيا يعني مثلا ديليت كتابين وما فوالا دونك زمير غالا هذاك ديني غا نوين غالا عبان دونك كي كان توصل كان كتفوض كان هذاك ديني غا نوين غالا عبان سايي تبري الميساج تو غالا زورا ديوان لا بس لا ماشي تو هاد نيغ تيتو هناك زورا دو بوال ناتش ما تشاس قاد المتلا في الشوارع كي سوتو 13 عطيك سوتو 13 يعني انا ثاني مرتب قرات من ثلاثه صغصاري يقبر ضيقي الدنيا عطيك صح سي صغور عاشور أزوف لك أولاد أزوف لك أستاذ Vous avez une question ou alors un constat. Moi j'ai toujours pensé jusqu'à aujourd'hui que l'assassinat d'Abel a été déjà programmé le jour où il a fait le jour où on a fait abstraction de son identité. De son identité, de l'identité, c'est-à-dire qu'il n'a pas invoqué l'identité. Il n'a pas imposé l'identité de Nabal. À partir de ce moment-là, il s'est affaibli. Peut-être au niveau de tous les gens qui sont autour de lui. Alors là, nous connaissons l'identité de la somme, mais pas de la somme. Alors, il y a là, Ça, on n'a pas assassiné parce qu'il n'a pas posé la question d'identité. Nous connaissons la somme. De la somme, nous connaissons la question de l'identité qui est du soir à ce qui est du soir à ce qui est. Donc, c'est pas non, c'est pas ça. Et alors. Allez, c'était le. À la soumame, il manquait qu'un prétexte. Ça aurait été celui-là. Je ne peux pas t'en dire plus. Il manquait qu'un prétexte, il aurait posé ce problème-là, il n'a rien fait. Mais tu auras la démonstration après. C'est Moi, je félicite M. Abdel pour ses travaux de recherche, ses efforts. Dans l'écriture, dans la recherche sur la grande personne qui est le défunt Abban Ramdan, le plus grand révolutionnaire. Et malheureusement, dans notre pays, on se rend compte que le Kabyle tue le Kabyle, affaiblit le Kabyle, et que l'Arabe
mystifie l'arabe. Je vais vous citer un petit exemple. Un vieux du village, il m'appelle, il me dit, Rodé, Ahine, ton cousin Bourahla et Bombala, ils étaient dans la même section en Italie. Quand ils se bagarrent, ça arrive au commandant, ton cousin Bourahla a toujours raison. Mon cousin Bourahla a été liquidé par ses frères pendant la révolution et Bombala a été hissé président du pays que conseille. Alors, moi je trouve qu'on n'a qu'à nous prendre à nous-mêmes. Nos problèmes, nous ne les dépassons pas. Nous ne les dépassons pas. Et tout le temps, comme je l'ai dit, on dégrade son voisin. Et c'est une culture peut-être ancestrale. Et est-ce que où cela nous mènera un jour? Est-ce qu'on va sortir? Parce que la révolution l'a faite et c'est d'autres qui dirigent. Qui jouissent du fruit de cette liberté. On a chassé les Français et on a des ennemis maintenant qui bloquent sur toutes les voies, qui volent, qui pillent, qui corrompent, qui mangent. Bon, peut-être que je m'éloigne un petit peu de la vie d'Arbane, donc ils sont assis là, mais c'est une réalité qu'il faut évoquer. Merci. الهستوريان مارك بلوك ينقل أمزلوي يحواج لذنبا الهستوار أصواف دو شرمان كون تو دي كموثل القبيل مي مشي القبيل كان يموثل أطاسي موثل إذا تم موثل الزيار ولش تفضل أن تثن موثل رقا جهاد موثل رقا مدر السيفيل. Donc c'est un pays qui a été meurtri dans sa chair, dans toutes les régions d'Algérie, non seulement pendant la guerre de libération, mais également pendant la période coloniale. Cette guerre de dévastation méthodique a décimé les Algériens, pas seulement les Kabyles. Donc on ne peut pas réduire la vision uniquement à la Kabylie. Deuxièmement, quand tu dis que Sirtz, les Kabyles, on peut dire qu'ils représentent 15% de la population, mais ils sont présents pour plus de 50% dans les faits. Mais, à quoi ils ont été Zaïriens, ils ont été Nurkounim. Nurkounim, Hussein Sattas. Ils ont été Hussein Sattas. Mais le bâton qui a cogné partout, le système autoritaire qui s'est imposé dès 1962, on peut dire dès 1957, il a concerné tout le monde, pas seulement les Kabyles. Mais le Kounia, c'est vrai, effectivement, on l'a ressenti plus vivement encore qu'ailleurs. Une autre petite question. Oui. Farhad Abbas avait dit ceci, il se rapproche un peu de Abdel. Il a dit qu'une petite rivière nous sépare de l'Europe. Il y a beaucoup de similitudes sur beaucoup de choses. Des océans de sable nous séparent de l'Arabie. On n'a rien à voir avec l'Arabie. Mais l'Algérie des 62 était envahie par l'Arabie. Et nous pataugeons tous les jours, jusqu'à maintenant, de cette culture envahissante et imposée et importée. Abbas avait vision très proche de celle de Abel. Abbas était très reconnaissant vers Abel parce que c'est Abel qui lui a donné l'occasion de jouer un rôle très important dans la révolution. C'est Abel qui l'a recruté. Et il lui en était tellement reconnaissant qu'à chacun de ses livres, il le cite en exergue. Et je peux maintenant vous faire encore raconter une anecdote. Quand Abbas vieillissait, donc il sentait la mort venir, Il a appelé sa sœur, il lui a dit, je vais partir comme tous les hommes, toutes les créatures. Il a dit, je ne sais pas s'ils vont me faire des funérailles nationales. S'ils me font pas de funérailles nationales, je voudrais être enterré au cimetière de Houma. S'ils me font des funérailles nationales, je voudrais être enterré donc à El Alia, au côté d'Amen. Effectivement, il était enterré à côté d'Amen. Donc ils avaient effectivement une vision très proche, une vision plutôt décrispée de l'identité, une vision plutôt moderne, et surtout
une vision démocratique de l'avenir du pays. Et Abbas, souvent, il a fait des confidences à Abbas en lui disant qu'il faut sauver notre avenir des potentats orientaux. Il a employé le terme de potentats orientaux. C'était Abbas, c'était pour lui un très grand choc. Pour reprendre notre ami Ziani, Abbas, quand Abbas a été liquidé, il en a été très très affecté. Très affecté. Mais à aucun moment Abban n'a refusé de siéger au CCE. D'abord, ce n'était pas lui qui convoquait, c'était lui qu'on avait exclu du CCE. Les militaires l'avaient exclu. C'était lui. Il est allé voir Abbas en lui disant, il faut que tu arranges ça. Abban était le premier opposant politique au colonel, au militaire. C'était le premier opposant de l'histoire de l'Algérie moderne. Abban voulait que le pouvoir de fait soit le pouvoir de façade. C'est-à-dire, il voulait une institutionnalisation du pouvoir. Or, ce qui s'est passé à partir de l'élimination d'Abban, les militaires, ce qu'on appelle le comité interministériel de la guerre, les trois colonels, Bossoff, Krim et Matoubel, ils désignaient GPRA, c'est-à-dire Abbas, ensuite Benkhata, et c'était eux qui détenaient la réalité du pouvoir. Et ça a continué comme ça jusqu'à maintenant. Abban, il ne voulait pas de ça. Il a dit, le pouvoir de façade, ça doit être le vrai pouvoir. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit d'Abban que c'est un institutionnaliste. C'est-à-dire, transparence. Et l'Algérie a beaucoup souffert de ça. C'est une loi non écrite. C'est moi j'appelle ça le pouvoir d'arrière-boutique qui désigne un pouvoir de façade. Ça a toujours été comme ça, c'est pas inscrit dans la Constitution, mais ça a toujours été comme ça. Et maintenant, je pense qu'on va aller vers autre chose et que ça va être le peuple qui va désigner le président. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Les dernières élections législatives, le ministre de l'Intérieur, les politiques, tout ça, ils sont allés supplier le peuple pour aller voter parce qu'ils ont compris que désormais, ils ne pourront plus jamais gouverner sans l'aval du peuple. Et que c'est le peuple qui doit désigner le gouvernement. El Bouz, c'est fini. Parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pétrole. Avec quoi ils vont gouverner? Avec quoi? Et puis que, voilà, l'exemple des heureux ou malheureux des révolutions arabes ou des bouleversements arabes est là pour montrer qu'aucune situation n'est pérenne. Et qu'un jour ou l'autre, il faut trouver des règles modernes, démocratiques, d'accession. Ils vont le faire, ils sont obligés de le faire. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont atteints par la limite de l'âge. Ils vont partir.